enveloppe jaune. Fonex suspend rete devant barrière El Rancho pour avoir les gars connus à sortir. C'est ça que André Michel déclaré pour cette sortie que situation paraît très difficile dans tout dernier moment en pile pression bon côté secteur et information qui fait quoi que Garikoni dit que sur 18 ministères là il pas continuer à blesser personne il bail en pile problème dans niveau conseil et présidentiel transition parce que en pile les gars qui sortit dans des structures dans des organisations dans des partis politiques qui gagne des militants qui prétendent en bagaille qui pensent que t'as pas joindre un ministère et ben pas la capable chavirer blesser personne pas oublier journée c'est que j'ai qui se passe là c'était journée internationale de l'environnement diverses et directions départementales qui lient avec agriculture organisé et un ensemble d'activités respectivement dans département Latibonite avec département et centre et grandance et spécialement agent de Sapio et c'est égalé songez que au gagné yo même comme responsabilité de protéger environnement donc vous parler des agents de Sapio yo te fait gros activité pour journée cela blesse personne nous pour regarder question et diverses rencontres qui fait entre conseil présidentiel yo avec Gary Koni déjà avec divers acteurs qui a cherché rejoindre pour connaître est-ce qu'il a fait il a fait partie gouvernement qui va le monter à nous pour regarder avec yo invité comment comprendre ensemble des matchs qui a fait là yo est-ce que il pas senti lui même bon côté parle li lesé vini Gary Koni qui se tient international là après 12 années pour venir premier ministre surtout avec ensemble annonce qui a fait là yo est-ce qu'il sentit dans les mains c'est invité à qui va dire nous blesse personne c'est Liska Jean Élisée comment est-ce ou c'est invité nous jeudi à comment est-ce mon cher, nous là, Blaise Peterson, nous là, toute l'équipe de cette émission, nous saluons Désir Vénès, et ainsi que population haïtienne, internautio, qui toujours fait le devoir pour que vous participez dans un grand espace ça. Moi, content ensemble avec nous, permettre que me saluer ensemble dirigeants, sympathisants, organisations politiques Chemin de Livre Haïti, qui ont même ta bataille pour que transition ait été arbitrée par un juge de la Cour de cassation et qui t'a permettre que nous mettions sous pied un gouvernement d'entente nationale avec des ministères réduits qui t'a permettre que nous réaliser transition. Donc je dis hein, c'est pas des massas, c'est conseil présidentiel qui gagne la tête gouvernement le docteur Gary Koni. Donc nous prenons acte de ça et nous pensons que nous pouvons regarder comment nous sommes capables de payer à sortir dans ce lien. Et bon regarder ça avec vous avant même venir avec PM Gary Koni, bon regarder conseil là avec vous avant. Déjà plus passé un mois que conseil là est installé en dit de 25 avril à 25 mai et je dis à nous guetter dans zone 6 juin tout ce me dit le conseil 5 à 6 juin. On bilan pour même déjà un mois et conseil là ça le tapier. Bon, et on bilan pour conseil là c'est 5 sur 10 puisque et maladroitement yo rivé yo gen tout privilège yo bon même lorsque c'est sous la pression du blanc yo rivé permettre que gen premier ministre qui émané de yo même lorsque c'est controversé mais cependant il nous reste beaucoup à faire puisque dans un mois on aurait pu penser que le conseil présidentiel t'a établi l'administration du Palais National, c'est-à-dire le secrétaire général du Palais National, ainsi que le secrétaire général du Conseil des ministres, et qui va permettre que, de concert avec le nouveau gouvernement, il va aller beaucoup plus rapide. Mais cependant, il n'y a pas là, il y a beaucoup là, mais quand même, et nous pensons qu'ils font un effort, et nous-mêmes, nous devons continuer à frapper, mais pour qu'ils aillent beaucoup plus rapide, parce que il y a péril en la demeure, et population haïtienne n'a pas attendu encore. Li pa katan encore mais regardez comment que chaque conseiller yo même qui fait une répartition de travail de domaine ou bien de champ ou bien de chantier à eux même est-ce que ouais l'entendez ensemble de conseillers ça qui répartit soit dans santé dans justice dans éducation ou bien dans sécurité est-ce que ouais répartition travail que yo dit yo même prend en charge non pour eux même ou est-ce une bonne répartition mais est-ce qu'on attend que répartition ça apporte résultat pour eux même. Bon, ça va dépendre de qui ça ne pense des résultats, dans la mesure où, et nous-mêmes dans le chemin de livrance Haïti, nous t'es toujours cru que, manche transition ça, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, tout le monde qui a bien pour prendre pouvoir, c'est rassurer que vous facilitez la libre circulation via bien dans le pays, et prendre disposition pour élection organisée. Parce que dans un régime démocratique,
c'est l'alternance du pouvoir, et l'alternance du pouvoir se fait à travers des élections. Donc, nous prenons 8 ans depuis le pays à organiser des élections. Donc, c'est une abomination pour la démocratie, c'est une abomination pour l'État, côté que c'est transition manche longue cap menel. Donc, nous-mêmes, nous voulons aider le pays à sortir dans la transition manche longue ça, parce que nous pas jamais qu'à faire aucune coopération internationale avec aucun pays dans le monde, là, avec aucune entité dans le monde, là, en dans un gouvernement de transition. Donc, pays a un paquet de revendications, pays a un paquet d'attentes, mais le monde qui est capable de combler l'attente, ça, c'est un monde qui sort dans l'élection, qui légitimement et constitutionnellement élu. Donc, dans ce sens, ça, qui prend le ministère, nous avons toujours souhaité que le ministère, ça, yo poser des actions en dans période de transition pour population. Yo moun pran ki pran ministère de la santé publique. Nou ta remè en dans période de transition parce que l'état a pas campé, li mette le disponible pour reste population. Ainsi que le ministère des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la planification, des travaux publics, etc. Nou ta remè ministère sa ou disponible pour faire service population. Mais cependant, nous connaissons dans une période de transition, depuis c'est un groupe politique qui prend pour pouvoir, pour un ministère, c'est pour faire service secteur politique, c'est pour satisfaire caprice groupe politique. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre grand chose. La seule chose, nous avons souhaité que la transition aboutisse à des élections transparentes et démocratiques. Et c'est dans ce sens-là, même dans la bataille, vous pouvez y arriver dans cette situation. En nous gardant ce désir avec vous-même, tout parce que désir va avancer avec deux questions. Tout, nous allons venir sur ce gars qui est connu, désir qui vient sur les tout. Mais désir, en nous gardant avec vous et en face qui est pour vous. Monsieur Seliska Jean-Élisée, on essaie donc de regarder le modèle de situation que le pays a pratiquement connu, qui pourra faire face avec une question des présidences tournantes. Premier président, pratiquement, a gagné puisque au mois, depuis qu'il prend fonction, ou dit que au bayo 5 sur 10. À partir de qui ça? À partir de qui ça que vous voyez faire? Qui permet que vous bayo 5 sur 10 que vous dites que vous bayo parce que problème insécurité a toujours été même pareillement. Et en pile violation qui liée avec accord politique qui vous déjouent entre vous, qui était lié entre date 3 avril 2024 là, pour jusqu'à présent, c'est un retour qui a fait, une parité statique dans ça qui est pour avec accord politique qui c'est toujours une discussion dans le temps. Qui ça permet que vous bayo 5 sur 10? Merci, Désir Venès, pour la question, qui c'est une très bonne question avec beaucoup d'élégance. Mais elle me permet que moi, qui pas comprendre ça, n'a pas parlé là, qui c'est politique. Au moins, il y a un petit lossière compréhension. Il y a développé un petit lossière compréhension pour comprendre ça, n'a pas dit là. Pas oublier que nous sommes dans un gouvernement de transition. Nous n'avons rien à espérer là, en termes de développement, pas le fait là. En dans un gouvernement de transition, c'est rétablir situation sécuritaire pays, prendre disposition pour faire des élections pour permettre que le pays ait des dirigeants légitimes et constitutionnels. Et maintenant, au moins, le conseil présidentiel là, avec toute tractation, toute contradiction interne que le gagne. Donc, il était supposé mettre établi façon mode de fonctionnement, institution par les nationales et la primature. C'est vrai que vous pouvez établir tout le monde ça, yo. Mais je dis à yo goumé, dans la bataille, yo mettez le premier ministre. Pas oublier que ce n'est pas le conseil présidentiel qui parle de sécurité, mais c'est plutôt le gouvernement à travers CSPN nan, qui va être dirigé par le premier ministre. Donc si vous mettez le premier ministre là, et le premier ministre qui est à fond pas plus de CPTA, il nomme chef cabinet, il nomme secrétaire général de la primature. Kounia, c'est le palais national qui vient pour nommer le secrétaire général du palais national et le secrétaire général du conseil des ministres. Et à partir de ça, il y a pas fait un conseil des ministres spécial pour commencer à prendre disposition sur comment il a agi, sur qui grand acte il a agi et qui façon va permettre que s'il y a changé directeur général de la police là, commandant chef de l'armée, et puis dans le conseil des ministres il a fait, là ça il a commencé à embarquer. Mais un fait est certain, il a fait plus gros pas qui se permet que bon chef de gouvernement qui arrive établi et à partir de chef de gouvernement, nous espérons que à partir de ce week-end, à partir de la semaine prochaine, a gagné toute liste non mounio qui est disponible
pour capable passer à cérémonie d'investiture et installation, pourquoi pas. Et à partir de ça, les ministres seront bel et bien au travail. Les salles vont commencer à prendre disposition pour convoquer les directeurs généraux, les missions diplomatiques, pour capable faire travail là. Mais cependant, ils ont fait plus gros pas qui s'est facilité l'installation ou l'arrivée à la primature de premier ministre. Monsieur Seliska, ou pas imaginer que le pays a pris une situation qui est capable beaucoup plus difficile. Là, on gagne 4 mounes à raison de 5 mois et une qui a fait 6 mois et comme coordonnateur ou bien président conseillant. Il y a chaque cap venu avec échange à travers le ministère, soit cap venu avec le gouvernement. Par estimer qu'on va les planter sous tête pays dans l'initiative ça. Là, nous connaissons que chaque conseiller qui fait partie du conseil présidentiel de transition, il a sorti dans un parti politique différent. Sans doute qui a préparé l'élection qui a venu. Je ne sais pas si vous avez jamais appuyé au bagage comme ça, et monsieur Blaise avec Désir, auditeur, auditrice, capitaine de nous là. Nous ne pouvons jamais supporter un bagage comme ça. Puisque société à tout pays, Machiavel dans le prince de la politique, de la moralité, tout pays a des valeurs, des normes, des mythologies à défendre. Nous allons défendre ça. Nous-mêmes, nous pensons au niveau chemin de délivrance, démarche pour entrer dans la présidence tournante, ou bien présidence mourante, ou bien présidence marchante, c'est ça nous t'a capable. Le chien à boire, mais la caravane passe. Pas grand rien de avenir dans ça. Et pas grand quel monde dans la société à part supporter un bagage comme ça. Comme sénateur Galé Blanc, fils lui-même qui a besoin, permet que le premier ministre qui est installé. Il peut être d'accord avec vous, mais qui laisse mon niveau d'accord avec mon bagage, une bêtise comme ça. Si nous acceptons avec, c'est que nous parlons d'accord que si M. Dam n'a pas fait élection pour permettre que 7 février 2026, bon premier ministre qui est installé, bon président qui est installé, mais M. Bral capable, soit son bon matin, ou résolution, il a prolongé date mandat. Même Jean-Noël Ariel de faire là. Et pas capable dans quel secteur dans le pays qui d'accord, qui paraît pour une bêtise comme ça fait. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter. Démagogie, nous ne pas supporter bêtises, nous déjà prenons labyrinthe, nous déjà prenons bagaille que pays a déjà reconnaître qui sont conseils présidentiels avec 9 mounadan qui ont privilège ou pas qu'un bagaille dans nos pays. Et bien nous pas qu'à continuer à supporter bêtises et nous croyons que ça, encore une fois, c'est la même démarche, le chien à bois, mais la caravane basse. Pas qu'un avenir dans ça et population pas supporter bagaille ça parce que vous connaissez, les capables de bénir pays dans une situation difficile. Et si on a le fait, on pense que y a coupé aide humanitaire, il y a metté au dehors, même la communauté internationale a été au pouvoir chasser yo, parce que la communauté internationale là, il y a pour là que le vote là, avec tout pouvoir, plein pouvoir, que le docteur Gary Koni à la tête de la primature. Selon vous, vous pensez Gary Koni capable de délivrer marchandises après 12 ans? Quel saut passé de yon, tout à dit à travers vote qui fait à travers conseil présidentiel transition, c'est presque à l'unanimité qu'il vivait passer comme premier ministre. Et Gary Koni, vel tap quitté la primature, nan ti bat bouche qu'il te gagne, il te dit qu'il pas jamais tourné et nan job l'état encore. Et je dis, il vini comme premier ministre. Ou pas estimé gain incohérence pour côté et Gary Koni, dans une déclaration comme ça, vini comme premier ministre, ou senti qu'il a cassé du pays. Bon, pour me répondre première marche question, marchandise pour délivrer, c'est qui marchandise? C'est faciliter la libre circulation via bien. Mais qui est-ce qui dévoile là? C'est international là. Qui est-ce qui met la situation de terre dans le pays? C'est international là. Donc, international là, il y a une manette de sécurité. Il y a une manette de sécurité en même. Je garantis la freine ça non semaine. La freine ça non semaine. Il y a des déclarations Biden fait qui m'a dit qui dit que craser tête toute nèg qui pote zam illégal dans pays gang yo. Il y a déclaration auto c'est même déclaration donc nèg ça va développer une puissance là n'importe où instant c'est maman petite marée donc on pense que première manche là et l'autre élément qui est important dans la mission hein, c'est organiser l'élection. Moi même monsieur quand on prend disposition là pour mettre conseil électoral provisoire sous pied depuis mois de juillet. Ça veut dire qui ça? Qui va commencer à faire contractation, qui va commencer à faire concertation dans tout le pays, hein? Côté pas de des autres, côté pas de groupe armé, on va commencer à regarder comment faisabilité, faire étude du pays, hein? En attendant que le porte-prince nettoie, et puis on va nous compte que nous avons fait élection.
Ou bien la di élection qui n'a truqué, élection qui n'a partisan, mais international n'a pas de faire élection normale pour pays, élection transparente. Donc la fin de la mission, lui. Mais de l'autre côté, si n'a pas parlé des questions incohérentes de Gary Conille, premier ministre Gary Conille, vis-à-vis de déclarations que le défunt, Mabdou, c'est le quotidien politique qui est animé de ça. C'est l'environnement politique haïtien qui consent. C'est-à-dire que ta parole, et moi-même, parole nègre ici dit matin, balik dit après-midi. Lorsqu'on est tout nègre là, 99% de monde là, dans l'espace politique là, dans le giron politique là, c'est des monde qui est à la solde de la communauté internationale, du département d'État américain, des Nations Unies, du Canada, de l'OEA. Donc, comment on est ici pour faire comme il dit, non, il ne va pas faire des bagailles. C'est comme quoi, vous avez des petits trucs dans la cour, la caille. La pou la kayou, c'est ou paye l'école pour lui, ou fait tout bagay pour lui, et vous dites l'alde, ti de l'eau pour boire, il va pas aller, ou même pas bien mal de l'eau pour encore. Donc, moi, c'est que, son déclaration, m'a pas de débat sans bal qualificatif, mais monsieur, nous connaissons pas grand-pile qui a dit non devant blanc, et là, nous connaissons ça blanc représenté en Haïti. Non, mais attendez, c'est l'isca là, son problème lié, parce que, on sait, ou même comme un jeune acteur politique, moi, qui me dit ça, parce que, moi, je regarde sur l'écran là, il y a pas ce jeune garçon, on dit même, c'est trois jeunes garçons qui sont sur l'écran, mais pour qui ça, comme si, ou même comme jeune garçon qui a fait politique, ou presque vient avec même discours, et on dit, moun qui d'avocat dit, comme si depuis c'est blanc parler, depuis c'est blanc fait ci, depuis c'est blanc dit ça, comme si nous, à vous autres, oui, mon blanc, oui, mon chef blanc. Comme si, pour qui ça, ou même comme jeune acteur politique, nous va pas changer discours ça, discours c'est blanc et blanc et blanc et blanc pour faire là et blanc pour dire tes bagages là et blanc cap décider hein. Ah, belle question, son très belle question ça papa. Ah mais moi je la plus belle question. Bah moi répondre aux questions ici hein. Bah moi répondre nous connaissons l'ISCA nous même pour et notoriété non pour l'INO. Exactement. Nous allons répondre depuis ces questions bien dans monde. Exact. Et ça une préoccupation ça qu'on gagne hein que me saluer question hein. Qui a appelé l'élégance et qui a fait promotion pour l'autre classe politique. Et qui grand monde tête li pour d'autres leaders politiques qui pas marine habitable. Et c'est ça la promotion, vous comprenez sa question. Mais préoccupation est là, Fernand Hibert a été gagné depuis 1944, là que M. a écrit un roman qui est les simulacres, là-dedans, M. a décrit la blancomanie pour M. montrer que l'acteur politique haïtien, toute marine habitable blanc, ça blanc dit, c'est ça. Là, m'a parlé de 1944. Donc, 2044, pour faire 100 ans encore depuis les monsieur écrivent là. Donc, c'est un constat que, yon intellectuel, yon romancier t'est fait en Haïti. Mais de l'autre côté, nous pas qu'à faire politique là avec hypocrisie. Hypocrisie, c'est dire que, c'est vrai réalité à pendant nous nier. Réponse que m'baille sur question Gary Conille, c'est un constat de réalité, hein. C'est-à-dire que, monsieur Damio marie dans Pétable, la communauté internationale. Donc, yon pas qu'à dire non. Ou pas qu'à dire non à Bossou. Ou pas qu'à dire non à Metou. Donc, nous sommes dit là, Gary Conille passé 12 ans, il va jamais rentrer dans le pays. Il était coordonnateur UNICEF pour région Caraïbes et Amérique latine. C'est UNICEF, c'est un élément des Nations Unies et qui finance directement par de grandes et multinationales américaines, pourquoi pas pour le gouvernement américain. Donc, comment on est pour Gary Conille, qui fait toute formation à l'étranger, qui bénéficie de toute bagage international là? Que yo prend yo imposé dans façon de monsieur Rivé là, yo invite monsieur dans le débat, monsieur dit non, le pape vini, et il dit si bon monde qui a osé prendre pouvoir là, non mais, prends si nous capable, et là monsieur Rivé là, monsieur vini là, monsieur pourquoi même installer, monsieur prend directeur général de la police là, le montre dans la ville là, donc sans monsieur pourquoi installer, parce que j'aime mon bail qui fait comme ça dans le pays là, c'est parce que monsieur qui m'a dit abandonné. Donc son constat est décrit là. Directeur à calmoutre monsieur dans la ville là, ou bien monsieur calmoutre directeur dans la ville là? Directeur à Kalmouté, monsieur Balavilla, ou bien c'est monsieur Kalmouté directeur à Balavilla? Écoutez, et Désir, vous connaissez ça bien. Directeur général de la police, là, il y a 2 ans et demi par an mètre dans Balavilla. Il y en a qui fait belé, maman te compte vendre en bas, dans le marché en fer. C'est là, maman fait tout petit moyen à terre pour voir monsieur l'école. Il y a crasé en Balavilla, il y a crasé marché en fer, il y a crasé pigou maquette, peuple à Balavilla. Il y a crasé commissariat à Balavilla. Yo kaze commissaire Saint-Joseph avec policier boulet touyé, il va me dire. Donc comment faire les ayé dans l'hôtel là-bas jamalé? Comment faire les et Gary Conille là et puis le prend Michel Bourland dans Chablende, il fait tout dire responsabilité et qui vous permet que nous réaliser période transitoire là pour ne pas longer bol blé nous international là et pour capable imposer des programmes sociaux
Je dis à l'important, peuple a décapitalisé, c'est paupérisation. Si mon a vendu quoi pour manger, tout jeune petit garçon dans gang, moun pa gen aksè a rien, pa gen de l'eau potable, EDH pa travail courant. C'est pour nous fusionner quelques ministères pour nous joindre quelques moyens pour nous capables de faire de l'activité. De l'autre côté, nous disons que nous avons un support force multinationale là pour rentrer dans le pays. C'est pas au cap venir équiper la police pour nous. Il y a beaucoup de monde qui a voulu avec moyen. Nous avons toujours équipé la police par nous. Donc, en termes d'investigation, d'information, de moyens, munitions, nous avons toujours acheté. Donc, il faut nous disposer de moyens pour ça. Nous n'avons pas tout le temps à demander international là. Nous allons faire élection. Assurément, nous connaissons minimum pour prendre la préfète élection, c'est 100 millions de dollars. Donc, nous avons fait au moins, au minimum, côté nous avons 50, nous demandons international là 50. Nous n'avons pas la guerre, nous n'avons pas international là. Donc, nous pensons que son démarche qui est normale, et nous-mêmes, nous avons proposé ça depuis le 14 juillet 2021. Et je dis à Gary Kony a fait ça, nous avons toujours dit, et nous pensons que dans ce sens, et il n'y a pas de problème. Le fait que vous fusionnez le ministère dans la période intérimaire là, à partir du moment élection organisée, vous pouvoir normal qui monte, laissez à choisir un ministre pour chaque ministère normalement. Mais là, nous sommes dans une situation bien spéciale, pays appauvri, économie appauvri, c'est pour nous capables de voir comment nous faisons une forme d'austérité, un gouvernement d'austérité qui vous permet que nous fassions gestion, très bonne gestion de ça, nous comme ressources. Et laissez-moi dire, et c'est l'ISKGL ici. Moi, j'étais confiant que l'élection va organiser. Bon, m'a dit que moi-même, comme journaliste, comme directeur d'opinion, m'a été confiant parce que normalement, moi, tout, je dis que moi, nous pas carité dans l'éternelle transition parce que nous sommes fait 32 mois avec Ariel Henry, équipe qui l'a 19 mois devant eux. Nous pas capable de prendre un temps encore de transition encore parce que faut que nous renouvelons les personnes politiques là. Mais en sérieux, c'est l'ISKA. Confiance, ça qu'on gagne et on dit d'organiser l'élection pour côté acteur ça. Qui côté que tu sois même pour que tu sois gagné dans niveau ça confiance là c'est parce que premièrement communauté internationale là pas qu'on jambe l'élection depuis Jovenel Moïse pour que ça parce que y a pas jambe supportant qu'un processus pour l'élection fait vrai y a pas un coup de l'eau son coup de l'eau fait là pour nous ouais c'est marché pressé à c'est international là qu'a fait. Donc, international la vle élection, donc la fait élection. Même si l'État ici va mettre une pièce, il a fait élection eux-mêmes. Qu'on est capable de demander est-ce que l'élection est transparente ou bien libre? Question ça, moi-même, avant tout, nous inquiéter. Mais international là, j'ai le besoin d'élection, même si l'élection bout de marmite l'a fait, même si c'est pour le mettre bourreau. Nous avons vivre ça en 2006, là, il a fait élection, marché pressé. Là, où belle date là, il est sur eux. Il a parlé à l'an deuxième tour, il a passé une vote blanche. Nous te vivons ça avec Justin Louis et Renegas Apréval. Là, vous avez la marée. Vous avez allé faire Renegas Apréval et demander Préval retirer le télécès pour finir avec le processus. Nous voyons ça avec Privert. Pendant Privert, il n'a pas besoin d'argent blanc pour faire l'élection. Mais l'Union Européenne a financé l'organisation qui a fait promotion pour l'élection, qui a fait formation. Donc, ça, son lecture que nous avons et non confiance. Nous, l'autre élément encore, côté de manifester volonté pour que le groupe force internationale vienne, c'est-à-dire pour faciliter la circulation via bien, c'est-à-dire que nous confirmer que l'international est dans l'élection. Donc moi-même, je n'ai pas non confiance parce que je crois dans l'élection, mais c'est parce que ça, moi, souterrain, moi, je vois qu'il y a un amada de matériel, d'éléments, de stratégie qui a déployé là, ça semble coup de goutte d'eau avec chaque fois international a besoin de faire l'élection. Donc nous-mêmes, dans le chemin de délivrance, nous concluons que M. Soroud pour faire l'élection. Même si le gars n'est pas transparent. Elle veut dire, où est-elle confiant que l'équipe conseil qui l'a avec le gouvernement pour aller avec Gary Kony, dans la durée de temps qui a qui c'est 18 ou 19 mois, il a accouché ça, qui c'est dans un point, dans un accord politique 4 avril. Et obligé à appliquer et exécuter. Mais tout à fait normal. Tout spécialiste dans la question de l'élection en Haïti dit qu'il a besoin de 9 mois pour organiser l'élection en Haïti. On nous dit qu'on est à l'Europe, il y a bien 18 mois, si on nomme le conseil électoral provisoire dans le mois de juin là, il y a bien 18 mois, ou bien 19 mois en face. Donc 19 mois, il y a bien mis des stratégies dans l'autre zone qui va zone rouge, en attendant que force multinationale la descende là, pour ce soit blanc, craser M. avec Azamio, ou bien faire un examen à terre, pour pacifier quartier populaire zone de non-noyau, et puis attendre à bonne élection. Bien sûr, ce n'est pas l'élection que tu souhaites, mais il y a bonne élection quand même, et la communauté internationale la valide. Donc, il faut nous prendre pragmatique, et c'est ça qui fait force dans le chemin de délivrance.
mais des capacités pour nous dire réalité à Jean-Lia et dit ça nous est devant nous nous-mêmes donc et c'est pas non légitime de sensation mais ça nous est sur route pour montrer que mais monsieur là m'a fait élection. Mais Kounia, jusqu'à présent, pendant la parole de ça, et c'est l'ISKA Jélisé, mais il y a des gens qui gardent toujours le problème, ça, oui, pour dire que, est-ce que Kounia là, c'est pas oublié, plus gros ça pour résoudre là, pour faire élection là, c'est sécurité pour résoudre, et pas comme si, n'est-ce qu'il y a débarqué là, ou bien la police, ou bien milite, et soldats l'armée d'Haïti, et missionnaires yo vini, et puis, comme si, après un petit nombre de temps, tout n'est gâté dans tout yo, et puis, élection faite, et puis après ça, comme si, après, les vignes ont pouvoir légitime, après un petit temps, 2, 3, 4, 5 ans, quoi, bagaille yo retourne. Est-ce que là, comme si, résoudre moins sécurité, et partielle, et de coup de durée, ou dis-moi, est-ce que c'est résoudre l'insécurité définitivement pour permettre que la vie, la paix capable de prendre dans le pays? Pas ouais, résoudre l'insécurité pour élection, mais est-ce que c'est résoudre définitivement pour vous-même? Bonjour, situation de sécurité, nous là, sont insécurité sociale. C'est une inégalité sociale. Désite, je dis ça. Mon yo victime, imagine nos jeunes petites filles à coucher pour manger. J'ai un petit garçon qui est entré dans la gang pour manger comme. Donc, moi-même, ce semaine de livraison, c'était proposé avec le secteur qui a bien pour pouvoir pour faciliter une nouvelle en toute forme, alors un nouveau programme d'entrepreneuriat jeunesse qui peut aller directement vers la création d'une jeunesse patronne. Permettre, ça, son projet que nous gagnons, nous écrit sous lui, nous proposer sous lui. Ça va permettre que nous faisons jeunes retourner dans l'arrière-pays. Pour y aller faire business, faire de gros projets pour un bail emploi et pour diminuer mon affluence pour la capitale. Et à partir de ça, pour l'État présent, dans l'ensemble d'actions sociales, pour porter service dans la profession. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, on veut soulever la question dans la sécurité physique là. Ça m'a dit à la bague pour le faire à quel monde capitaine de nous la peur. Mais force multinationale, là, pour le prendre là, la déboulba, c'est au moins 20 ans dans le pays. Oh, 20 ans, dit, ah, dit que... c'est l'ISKA. Son nouvelle ou pas nous, ou bien c'est son pressentiment qu'on gagne? Ma ou nouvelle. Oh, nouvelle, c'est l'ISKA. Attendez. Ou pas nous nouvelle. Ouais, on va retourner sur ça encore. Ou pas nous nouvelle. Ça veut dire son nouvelle ou pas nous. Mais nouvelle ou pas nous, hein? Est-ce que c'est en fonction de constat que vous faites ça gagne comme situation qui fait que et c'est nombre de temps ça pour passer ou dis-moi est-ce que c'est planification qui tout dit que c'est 20 ans pour vous faire? Tout le monde qui décide, qui fait analyse, qui réfléchit, c'est soit vous chita sous philosophie, sous sociologie, sous histoire, sous un courant, sous carré scientifique pour analyser, pour proposer. Marché dans nos aspects historiques et sociologiques. Depuis qu'il est dans l'histoire, intervention force militaire internationale, il est venu, il fait 3 mois, il fait 1 an, il vit réel. C'est ça que fait nous-mêmes, nous parler de force d'occupation en Haïti, nous pas parler de force multinationale. D'accord? Et ou après, alors, ça m'a pas dit, allez, on commence à déployer là. D'ailleurs, même conseil présidentiel, pour aller visiter base qui fait bon aéroport, il va même bien droit ça, c'est temps pour souple, il a demandé avec l'ambassadeur américain. Il va même carrément. C'est l'ambassadeur américain pour nous autoriser. Ça m'a dit là, m'a pas voulu monter, non? Non, m'a dit ça. Ça m'a dit ça. Laisse-y volter ta balle en bas. C'est temps pour souple, il demande. On préside dans nos pays, bon force qui vient dans la caillou, qui établit base li, et puis pour aller, c'est toute tractation ça a couvert. Donc, on me dit non. Nous n'avons pas en force d'occupation. Malheureusement, 20 ans encore, pays en bas en force d'occupation. Et si ma PC regarde face à cette histoire, c'est 1914, c'est 1994, c'est 2004, c'est 2024. Nous avons en force d'occupation qui gagne plusieurs aspects là-dedans. Peut-être que je vais me tourner dans plusieurs aspects force d'occupation. Mais, ça nous vive là, nous avons en force d'occupation pour au moins 20 ans. Maintenant, et il n'y a pas venu faire élection pour le peuple là. Il y a venu faire élection pour chercher une certaine stabilité dans la région hein, pour que la politique étrangère américaine capable de continuer. Il y a venu parce que le Parti démocrate là en danger. Donc, l'eau commence à rentrer dans le calbato. Il y a besoin de la paix
avec les 148 000 Haïtiens qui ont le droit de vote aux États-Unis d'Amérique, dans le pays côté nous. Donc, c'est un aspect géopolitique. Je ne vais pas gagner pour m'analyser plusieurs autres aspects ensemble avec nous. Après ça, on prend deux autres qui sont importants, c'est l'ISCA. Elle dit, aspect ça, sociologie, on garde deux autres mots encore. Parce que pas oublier que nous avons une émission informative, mais en même temps, une émission éducative, comme professeur Koye ou même, à l'université. Merci beaucoup. Et c'est ça que je voulais montrer nous, sur le plan historique et sociologique. Mais également sur le plan géopolitique, question c'est que. Il a metté les États-Unis d'ailleurs avec la France dans la région Sahel là. C'est côté qui gagne plus pétrole, c'est côté plus riche en Sahel l'or noir. On parle de Haïti, on parle de Haïti et Caraïbes là. Haïti et Caraïbes là net. Il a metté on a parlé de région Sahel là que il a metté les États-Unis d'ailleurs avec la France. OK. Donc des autres ça qui commence à lever par rapport avec panafricanisme là. Yo pas parlé pour venir t'attaquer en Haïti. Parce que Haïti, c'est base tout mouvement de révolution dans le monde. Donc, meilleure façon pour gagner contrôle la région, gagner contrôle l'aspect ça, si zone sacrée l'Haïti a craqué le monde, qui a fait un gros bagage qui fait tout le monde dans le monde saisi, c'est pour gagner contrôle lui. Et pour gagner contrôle lui, c'est qu'il y a un statu quo. Il y a une base basée en Haïti et il a organisé l'élection. Le monde qui a privé pour pouvoir, son monde qui prend le climat avec l'empire criminel occidental. Pourquoi pas l'empire criminel américain et qui va permettre que y a toujours gagné un mot à dire en Haïti. Parmi les que, et pendant que y a une déstabilisation, la famille Clinton a extrait l'or là dans Tomazo. Et dernier rapport, Wall Street Journal a fait sous Tomazo, ces zones ont été évaluées pour qu'on parle à 96 milliards de dollars. Parmi les que, la Gonave, selon rapport, même et Wall Street ça t'est évalué à environ 148 milliards de dollars. Donc les Clinton qui gagnent en prise sur Haïti et qui c'est de gros baron en parti démocrate là faut yo rassurer que eh ben yo gagne contrôle l'espace qui est Haïti. Donc moi même voulais nous comprendre que ça qu'a fait là, il va atypique parce que on aime Haïti, mais c'est parce que bon, on ensemble d'intérêts géopolitiques et géostratégiques dans la région hein, que yon besoin de contrôler sur Haïti, sans compter, yon te déjà gagné une base militaire, la Navas, qui 8 km, alors que loué Guantanamo dans Cuba là, contre Abraham Fimbi, faut que yon capable de gagner Haïti comme réserve pour une base militaire, yo, parce que Haïti occupait le carrefour sud de l'approvisionnement des États-Unis et qui occupait une place importante dans l'océan Atlantique là. Donc, yon pas qu'à quitter les bagages à passer. Pour c'est la Chine qui vient mettre main là, parce que la Chine propose 5 milliards de dollars pour reconstruire seulement Port-au-Prince, 31 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. Donc, il faut que même un contrôle de ça pour éviter que ce pays ça qui est riche en pétrole, riche en diamant, en l'autre bagaille, en uranium, donc pour que l'on contrôle en bas des États-Unis. Voilà, une petite réflexion de aspect, sans compter ensemble ces pays qui maîtrisaient la production agricole biologique. Donc, bon paquet d'éléments là, de cabinet ensemble avec vous montrer, même parce que le temps va permettre tout ça. Et bien, professeur Seliska, parlez de l'occupation, je dis, hein, mais quel est mon cap dire que ce n'est pas dans les années 2023, 2024 que Haïti est pratiquement sous emprise ou l'occupation et de l'Occident? Parce que si on a essayé de regarder, c'est une forme de protectorat. Parce que vous entendez, directeur général de la police, c'est un ambassadeur qui décide de dire mais qui est-ce qui a venu. Ou fait élection mal action dans cette année qui était passée avant, ou bien 10 années qui était passée avant. Yo. Et, bien, et malgré les médias américains, by résultat pour élection, yo, et bien, yo dit non, ce n'est pas Mounsa qui voulait, yo retire. Est-ce que nous avons dit c'est dans l'année 2024 que nous pratiquement sous occupation? Et si nous regardons tout, est-ce que c'est la communauté internationale qui est d'accord pour nous occuper nous? Ou bien c'est nous qui avons cherché l'occupation? Nous veut comprendre, c'est ensemble, conseil présidentiel qui est là, qui entend que aussi un noir sur blanc, yo d'accord pour mission multinationale ou bien force internationale à venir dans le pays. Ça va pas essayer donc évaluer ensemble des dégâts que vous avez commis suite avec tout ça qui passait déjà. Vous connaissez qui ça que vous commettez comme dégâts dans le pays. Bon, une belle question encore. Et même dis non, auditeur, auditrice, capteur de nous là. Oui, vous avez dit la vérité, monsieur Désir Vénès. Haïti a été sous
l'emprise du protectorat de l'occidentalisme. Cependant, et mon paquet de l'autre bagarre là, il était quitté, c'est où t'as fait ou là, même lorsque y a télé vidéo. Je dis à le constat que nous avons fait, c'est que c'est, même lorsque c'est préparé, ça passe, y a, mais, seul type de l'aéroport qu'on a là, avion pas de jambes à voler là. Ils ont débarqué, ils ont facilité l'avion volé. Ils ont annoncé que service, transport, maritime, le commerce maritime a pu reprendre. Et effectivement, ils ont libéré le port, le commerce a commencé à reprendre. Probablement, semaine prochaine, ils vont passer l'ordre, mais comment pour taxes payer, mais qui type de taxes pour payer, dans le pays, même juste à l'habitude de déjà. Et c'est ça, nous parlons force d'occupation. On peut parler de taxes, ce sont vous parler des taxes, songez, existence déjà dans le pays d'Haïti, et 6 juin, pratiquement pral fè yo sans de payer si ça c'était sous l'emprise ou l'occupation américaine que DGI te prenne sur ce pays d'Haïti. Très bien, merci pour rappel historique là. Et c'est ça m'a dit protectorat y a dirigeant à distance. L'homme en occupation non seulement yo isolé au sous reste monde là d'ailleurs mettre dans chapitre 7 dans la Nations Unies ou pas gagne qu'un droit du tout. Mais de l'autre côté c'est yo vin examen yo pour dire mais qui ça fait? Ça c'est une force d'occupation. Yo passé tout moun lòd. On n'est pas d'accord, bâton dans l'air. Ça c'est zamyo. Le mal est devant n'importe là, moi tout nèg yo a gros zamyo. Donc ça a dépassé protectorat. Et deuxième manche question, vous parlez de est-ce que c'est pas nous commandé? Moi-même, je fais un tir dans ça. C'est ça, le complexe de Stockholm. Le complexe de Stockholm, c'est que il y a pour toi dans schéma, côté homme fort, là, maturisé, maltraité, d'amenant, et que de temps en temps, il a gonti de l'eau dans la gorge pour le pas fin mourir même. Comme il vit des petits bouts de l'eau dans la gorge d'amnan, ouais, que monsieur papi mauvais passé ça. Parce que même s'il a battu, mais là, il parle de mourir. Bon, mais expliquez ça, me le dire. Haïti, quand il y a été plus sécurité, nous compte ça. Qui laisse affaibli Haïti dans la sécurité? C'est même international. Yo dit yo pas venir là mais c'est la police ou. Alors qu'on a 36 000 km carrés de côte qui pas sécurisé, zamap sauté en Colombie, zamap sauté et dans la région Amérique latine dans parlant mais zam ministre sur Jamaïque en République dominicaine, aéroport pas bagaille, nèg qui des franchise a prend zam sauté là dans New York, Miami, Florida. Déstabiliser pays a, système de renseignement pays a à genoux. Ministère de la Justice, l'argent passé pour en l'acheter caille. Système de sécurité physique pays à tes plates. Yo mettez le pays à l'ambo. Qu'on y a yo mettez dans situation pour que c'est yo apmen d'état pour souple. Maintenant, comment vous faites pour vous faire ça? Gonzalez Mata qui sont au terme, mais en pile dans la ville. Monsieur, c'est ancien vice-directeur CIA. Je t'ai publié un livre, un œuvre posthume, qui relève les vrais maîtres du monde. Dans le livre, ça, je racontais que l'Empire occidental, là, stratégie, c'est bataille pour mettre dirigeants fantoches, dirigeants tête bobèche, sous pouvoir dans le pays, pour qu'on ait même mis sur le pays. Ça veut dire qui ça? Le chemin de livrance Haïti t'a demandé pour nous permettre que son juge de la Cour de cassation qui arbitre transition pour faciliter neutralité pour payer à pas perdre du temps et mettre sous pied un gouvernement d'entente nationale réduit pour faire élection rapide pour payer à pas perdre du temps.
nous pas qu'à priver dans Ariel Henry qui c'est une marionnette qui fait payer à petit 33 mois la pays à Genou. Qui affaiblit l'économie, hein, qui mettait nous dans la paupérisation de la demande de l'international. Donc, situation que nous vivons là, qui force dans la demande internationale, c'est yo créé. C'est yo fait. Et moi, je dis, pas qu'un nationaliste qui a sous pouvoir, qui va le signer pour demander pour force nationale internationale dans le pays, il y a mal de pays. D'ailleurs, nous avons proposé ça pour faire. Nous te dit que PIA, sécurité PIA, c'est dans le secteur privé. Vous n'avez pas qu'être négligé qu'on paye sécurité privée. Et selon l'enquête nous démenons, il y a 87 000 jeunes garçons et jeunes femmes qui ont payé service dans le paye sécurité privée. Nous dit l'État, il y a plus passé 900 millions de dollars qui ont gaspillé sous frontière là. En allant 900 millions de dollars sous frontière là. Monsieur Dano, vous avez appuyé budgétaire, vous avez payé 700 millions de dollars. En mettant le souli qui a presque ben milliards de dollars, nous faisons l'armée avec 40 000 hommes, jeunes garçons, jeunes femmes, pour sécuriser les frontières, nous, douanes, nous, aéroports, nous, et puis mettre sécurité dans le pays. Nous avons créé des jobs, nous avons 40 000 jeunes jobs, mais nous avons mis sécurité dans le pays. Mais c'est d'abord dit blanc, pas appeler l'armée à fonctionner dans le pays. Si la police qui vient, si la police a un bout de manchette, il va gagner information, il va gagner pour le défendre tête lui. Donc, sans compter, de nèg qui te besoin cette situation sécuritaire pays arrivé là pour carré les un bon papa t'en prie s'il vous plaît qui ça nous te veut écouter fait mes amis. Donc moi pense que ça n'a décrit là même on machin quand même on monde qui a tiré sous lui dans la rue parce qu'on connaît que c'est blanc fait et facilité monde parle sous pouvoir pour venir signer document. Vous pensez et on est tant pour et Maniga professeur Maniga t'a signé un bagage comme ça. Blanc toujours besoin de marionnettes, dirigeants fantoches qui pourront pouvoir pour faire ça. Vous entendez? Donc, ça, qui est là, sont construits, c'est pas qu'on ça le fait, sont préparatifs qui viennent dans ces années-là. Et, faut ne pas faire émotion, faut ne pas faire euphorie. Donc, ça, préparé là, sont construits qui viennent dans la situation de là, monsieur Vénès. Vous pensez que Vini Mission, si là, que nous parlons, bon, c'est malgré ce conseil présidentiel, Ariel était en main avec des machins, mais c'est d'abord le conseil présidentiel là, nous avons dit acheminer le poule Vini. Vous pensez Vini au libéral servi échec ou bien permettre que nous résoudre le problème? Aspect m'a ben ça, et c'est information liée, oui, mais je pense que nous déconnons le ya, vous journalistes pour nous ne pas faire comme ça. Et. Nations Unies gagne, ma bonne information là. Nations Unies a débloqué 500 millions de dollars qui n'avaient une agence en Haïti pour faire action pour permettre que M. Dame vienne remettre ça. Jean a été fait en 2004 et qu'on a pas fait. Ah, d'abord, vous pensez que vous n'avez pas pris de l'arrêt? Il y a des solutions qui n'avaient pas. Réponse à vous, nous avons information. Solution cosmétique. Gagne une agence Nations Unies dans Port-au-Prince là qui gagne 500 millions de dollars qui a dormi en bas tête là pour faire action sociale programmatiste pour la paix pour nèg vinn remettre zam pour bailler l'argent. Et vous causez mais écoute là tel c'est jusqu'à ça c'est ça qu'a voulu vinn remettre zam mais ça qu'a voulu vinn remettre yo ça y a pour en bailler pas yo y a jeune ça besoin non. A toujours gagné des trois petits au passé à l'infinitif. Même nous, insécurité n'a pas l'air. Monsieur Damien a permis que yon malé le capitaine de Mna, qui sont Jérémy, Karine Port-au-Prince, Vin Van Nijol de Ronvan. On m'a gardé placé sous la loup. Pour combien de temps? En diaspora. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Période de temps, vous pensez ça et ça a fait à la prêle durée? Ah, mais pendant 20 ans, vous passez dans le pays, il y a fait 20 ans là. Pendant 20 ans, ok, ok, on avance. Parce que en dans dit là, nous pas de monde qui pour négocier pour nous. Ok. Là, nous, parce que, yo rassuré, ok? Attendez. Au gouvernement de transition, n'a yo dit que, sous pas d'accord, force multinationale à venir dans le pays, ou pas qu'à dans le gouvernement de transition. Ou, bon, comment on comprend la raison? Ou elle est sans ou même. Dans le pays, moui, pour être un jambon condition pour me présider dans le pays, ou même, est-ce que ça a un sens? Donc, nous pensons, y a facilité un citoyen qui est dans la diaspora, qui a besoin à l'aïté, le gelé, et presque il les ICAC n'a pas salut et côte plage et comment il est dans Marseille en Dakin belle plage nous gagne Saint-Louis du Sud dans au cap l'autre côté mon oui wap ka vini mais insécurité n'a pas résolu tout autant
pas gagné un task force qui développait, qui déployait. Et notre position, notre plaidoyer au niveau de chemin de délivrance Haïti comme politique, nous-mêmes, nous pas dans la logique, vous et monter, nous thématiser, nous écrit sur ça. Nous te dit que si la communauté internationale qui participait dans la mission là, profondément, et d'ailleurs, c'est pas seul nous-mêmes qui dit, l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Setenfus, dans l'île que l'écrit là, il dit que c'est la communauté internationale qui a acteur cette fête-là. Mais s'il c'est acteur dans cette fête-là, qui crase l'économie, moi, je parle avec nous là, comme enseignant, nous consacrer les enseignants, avec bout la crèche à la banque qui prête petit cob pour nous faire business, pour nous capables de vivre avec dignité, nous, pendant l'affaire politique, et même moi, victime, je ne vais pas me faire, mais au débat que nous avons côté business, yo pété balle, tout le monde sauvé, yo puis à tout là, n'a tiré coup de balle à la police. Bien, on tente pour pas qui éclate, tout business s'emboule. Donc, toute économie, toute entreprise crasée, comment faire beau et force multinationale ou pas réfléchir sur un plan économique, un plan de redressement économique, comment nous pouvons créer 50 000 entreprises parce que c'est eux qui font payer l'image. Quand nous, les États-Unis, nous vivons ça dans le coronavirus. Les avant Donald Trump parlait, 793 000 entreprises, ils ont créé. Parce que c'est ça qui régit le travail. Donc, la communauté internationale, pas un plan de redressement économique pour payer. Ça va le dire qui ça? Ça va le dire qui ça? C'est que la communauté internationale là, pourquoi d'accord pour la situation insécurité pays à résoudre et tout autant nous parler dans la réduction taux d'inégalité, permettre que le monde ait mangé, permettre que le monde ait un côté de dormir, permettre que le gars ait un poule qui lui met la caille, permettre que le gars ait un ordinateur qui a accès avec certaines choses. Nous ne pouvons jamais résoudre la question de sécurité. Il faut nous résoudre manger. Pour nous manger, plein d'obèques, plein de là, plein d'antibodies, tout café manger. Combien nous besoin pour nous faire du riz pour payer 150 millions de dollars d'huile, nous besoin. N'importe 700 millions de dollars d'huile dans les États-Unis, à travers les Clinton. N'importe plus passer 400 millions de dollars dans salami, dans l'autre bagaille dans la République Dominicaine. Nous café là dans le pays. N'importe plus passer 200 millions de dollars poule avec œufs dans la République Dominicaine. Nous café là dans le pays. Donc, comment nous ne pouvons pas décider, état international, là, accompagner et aider pays à travers un plan de redressement économique qui va permettre que nous créions une entreprise, nous diminuer la frustration, hein? Non seulement la diminuer la frustration, hein? Nous avons campé le groupe armé, mais nous permettre que les parents soient soin petit pour ne pas dans la rue à nous la guerre. Nous avons réduit les questions et départ, alors immigration forcée, migration forcée, qui a fait jeunes haïtiens quitter le pays. Pour le point d'humiliation dans d'autres pays voisins. Donc, je pense que là, on a parlé des questions de sécurité. International, là, à Vina, la facilité de moun ka circuler, moun a kal nan activité, c'est vrai, mais la table dans le pays pendant 20 ans, et m'a nous garanti, situation pas ka résoudre, parce que nous partons compte de moun yo, de misère moun yo, pour nous alléger, et c'est tout autant de résoudre frustration, misère moun yo, nous pas jamais ka résoudre situation de sécurité en profondeur. Je vais regarder ça avec Céliska parce que quand les amis qui ont fait crime là, qui ont dit mon cher et Céliska, j'ai lisé à parler de ces bails d'or là. Parce que yo ouais vraiment, ça a dit, yo a avancé des arguments et c'est des gens qui sont des gens qui connaissent ça l'a dit, et pas des gens qui viennent à vous émouter et c'est là pas avancé des thèses et des antithèses tout pour montrer que l'insécurité avec problème n'a pas qu'à résoudre vraiment si que c'est nous pas un plan macroéconomique, nous pas un plan d'abord un projet de société parce que n'a toujours capable d'agir de façon comme si éliminer et fusibio mais et capable dire c'est élément qui même qui c'est élément cap soucé cap alimenter et insécurité hein? Mais Joseph Céliska maman de ça c'est vrai nous ca dit une période de 20 années que mission ça pral gain pour passer en Haïti mais est-ce que nous ca attendre plus mal que ministre qui fait plus que 13 ans et qui quitte pour nous tout ça que nous n'a pas là choléra tout le problème ça yo est-ce que dans ça tout pas gain et pas au cas pas moment tout pour capable pour dirigeant qui là yo t'a cap prendre des mesures pour mettre des balises avec mission qui a venir là nous t'a cap espérer meilleur si nous t'a gain des monde cap orienter monde nous c'est vrai que yo vin à puissance, yo son force d'occupation liée, yo pas dépend de vous, mais si nous te gen de autorité qui te orienté yo à travers canal de communication,
orienter la société à vous faire pression sur les Nations Unies pour respecter les valeurs, d'accord, qui ont un rapport avec les droits humains et la paix. Mais qu'on a si nous pas gagne monde pour orienter, c'est au cap venir pour eux. Yo ka fait pire. Comme ça yo ka faire, yo ka m'a pas dit quoi faire mieux. Comme ça yo ka diminuer des rives. Mais qu'on n'a pas empêché, ça pas empêcher que c'est au cap faire élection dans pays. Ça pas empêcher c'est au cap résultat élection. Ça pas empêcher que monde qui va aller pour élu dans prochaine élection yo, sous pas d'accord, sous pas clément avec le projet occidentalisme. Sous pas d'accord avec le projet du capitalisme avéré, du capitalisme féodal, ou bien avoir un gars élu au plus haut niveau de l'élection. Donc, moi, je pense que vous êtes capable d'améliorer si, alors la presse a mené des enquêtes, qui d'autres m'ont avisé, l'organisation de droits humains qui a mené des enquêtes pour dénoncer des rivaux, et les ça, nous capables de freiner. Mais cependant, comment nous allons faire dire, et voilà, là, on paye bien toutes jeunes demoiselles qui travaillent, qui n'ont pas de club, qui n'ont pas de restaurant, qui n'ont pas de bien pour pourcentage, qui n'ont pas de coucher avec les gens pour l'argent pour être capable de manger, et puis, dès que ça va dans le pays, ils ont un argent pour toucher 11 000 dollars américains le mois, dans un pays qui est difficile comme ça, vous pensez qu'il va bien dérive? Vous pensez qu'il va continuer à quitter petit dans le pays? Donc, vous pensez que, et c'est seulement si les gens motivés, si la presse, la société civile, droits humains, avec l'État, mobilisés, pour que capable orienter et à ce que nous diminuer niveau des dérives. Mais quant à dérive, quant à amélioration, et c'est si société a voulu faire effort, il a fait effort. Mais nous pas espérer ça parce que Haïti a fait face avec une force d'occupation et nous connaissons ça qui est une force d'occupation. Nous connaissons les conséquences de force d'occupation. Donc, moi, pensais que, et, dans ça, nous aller là, c'est que ces sociétés-là, c'est la diaspora. Je dis à moi-même, moi, pensais que, qui a un rôle important, un rôle prépondérant dans réorienter la société. Parce que moi-même, moi, je dis ça, et je parle ça avec des gens qui sont au niveau premier ministre. Lorsqu'on diaspora, je dis à 4 milliards de dollars en Haïti. Si nous bien préparer comme là, nous bien canaliser comme là, nous avons fait 10 milliards de dollars avec diaspora. Maintenant, faudrait-il que nous canalisions l'argent ça, et puis nous disons, mais ça n'a fait avec 10 milliards de dollars ça, chaque année. Est-ce que nous avons 10 milliards de dollars dans la sécurité, 10 milliards de dollars dans l'agriculture? Et puis chaque année, nous résoudons le problème. Et puis, pendant qu'on a impliqué la diaspora, pas seulement faire voler l'argent, et puis pas impliqué réellement dans la décision qu'on a prise. Donc, moi, je pense que pour répondre à la question, hein, et si nous mobilisons entre nous, nous rendons compte que nous avons une force d'occupation, et nous disons, notre bataille pour ces dernières fois pays apprend une occupation et militaire, donc, à partir de ça, nous avons qu'à freiner et diminuer le niveau de revenus. Mais lorsqu'il s'agit, nous connaissons force d'occupation, nous pas qu'à faire tête nos illusions comme quoi, que, et même des rives pas répéter, parce que, pas gagne quelqu'un monde, y'a pas en bas l'autre en quelqu'un monde, y'a pas venir prendre l'autre en quelqu'un monde, si ce n'est que, en bas, mais, secrétaire général des Nations Unies, qui va même dans le pays, y'a que, y'a dépend. M'bral quitte aller, c'est Niska, puisque vous avez déjà dit l'autre rendez-vous. M'bral quitte aller, et moi, je vais délibérer au frère. Mais si m'dafon tire tourner sur dossier Gary Konilan, et parce que nous bien épuisé question ça. Et si m'dafon tire tourner sur dossier Gary Konilan, et c'est Niska généralisé. Je dis à ou même comme jeune acteur politique, et parce que moi, j'ai mis des jeunes acteurs politiques devant, parce que normalement, et pour bataille, pour engagement, comment c'est prendre, ou équipe ban gros cylindrique là, qui, comprenne. L'occasion de nek ça, ou qui commence à mettre écrit, pour accaparer et pour voir ça. Ça dit ça de qui ça? Est-ce que vous avez espoir pour vous-même comme jeune garçon, cap goumé, cap milité avec Chimé Deliverance Haïti? Et surtout, surtout que l'autre des discours Gary Konilan qui te dit que c'est une population jeune que nous avons là, faut que jeunesse a intégré, faut que Jasso a intégré et faut que femme a intégré. Merci beaucoup et encore pour l'opportunité sans ban nous, puisque vous reconnaissez, même avec Désir Vénès et plusieurs journalistes avisés, qui reconnaissent la bataille nous menons, que ce soit à niveau INIBAS, que ce soit à niveau secteur jeunesse, comme syndicat, comme enseignant et comme acteur politique, jeune acteur politique. D'ailleurs, diaspora capteur de nous là, puis citoyen capteur de nous là, reconnaître que la bataille pour que diaspora représente dans le conseil électoral provisoire, c'est bataille INIBAS. C'est bataille professeur Seliska, et mettre samedi plusieurs autres jeunes garçons qui ont fait bataille ça. Exact. Et qui t'est imposé pour diaspora participer dans la décision pays, et nous t'es commencé à travers
et conseil électoral comme ça. Maintenant, nous connaissons la classe politique, pas d'accord pour diaspora participer dans la décision dans l'État. Mais cependant, pour répondre directement à la question de Dr. Gary Kony comme Premier ministre, nous avons dit que nous avons pris M. Omo. Nous avons pris Omo, nous avons une population qui est extrêmement jeune et seule la jeunesse a un poids démographique qui envoisine les 70% dans la société. Là, nous connaissons. Gagner vraiment forte quantité de jeunes qui sautent dans l'université, qui font l'école professionnelle, qui travaillent pour le pays, cependant, par une orientation, par un encadrement. Il y a des gens qui traversent l'âge de retraite dans l'État, l'âge de retraite qui c'est 58 ans, monsieur, dames, 70 ans, ils vont dans l'État, ils travaillent encore, ils ne vont pas en retraite. Donc, première action de Dr. Gary Kony va le poser, c'est là de commencer à voyer à la retraite en pile monde qui est dans l'État. Mais sauf que il parle réfléchir son politique de retraite qui va permettre que moun yo prend corps de retraite à vivre avec et permettre que faire place avec des jeunes compétents qui formés pour capable rendre service dans l'État. Mais de l'autre côté, c'est impliquer de jeunes patriotiques progressistes qui comprennent les affaires de l'État et qui capable participer à un gouvernement. Donc n'a pas le grand mot pour regarder ça le dire si c'est vrai. Et c'est à partir des actions n'a pas posé, n'a pas regardé. Donc, nous pensons que trois secteurs très importants, qui c'est la jeunesse, et le secteur des femmes, et la diaspora haïtienne, que le dit la bamba qui la donne. Donc, nous-mêmes n'attendons. Cependant, jusqu'à moment où on a parlé avec moi, nous ne recevons aucune invitation, aucune consultation, pour participer dans des démarches qu'a fait, pour mettre sous pied un gouvernement, et intérimaire, et qui pourra permettre que, Dr. Gary Kony, lui dit, ça le dit à l'IFEL. Cependant, nous absuivons, nous sur le terrain, nous travaillons avec des structures organisées, nous travaillons avec des groupes pour nous voir est-ce que vraiment ça, Dr. Gary Kony dit à la perspective. Mais en fait, certain, tout le monde reconnaît que et déclaration que le fait, c'est une urgence parce que l'administration publique là à genoux et le monde qui était là, il y a des lacunes dans le paquet de domaines, dans l'informatique, dans le paquet de bagailles, je dis c'est l'ère de la technologie. Il faut nous révolutionner, il faut nous moderniser l'État. Et côté pour nous jeunes bagaille ça, pour nous jeunes sur ça, c'est dans les jeunes yo, qui sont étudiés. Donc nous pensons que Dr. Gary Kony est capable de faire un bon pas, s'il reconnaît le travail qu'il a fait. Parce que nous-mêmes, nous, et pas seulement Paris, pour c'est dans le gouvernement, dans le bail, mais toutefois, il fait appel avec nous, dans d'autres secteurs, dans d'autres commissions, pour nous travailler, pour nous impliquer jeunesse là, impliquer diaspora réellement. Pour permettre que 4 milliards de dollars à voir en Haïti, l'inutile, et pas seulement manger du riz à quoi dans le pays, à le fait seulement, mais pour faire des projets à long terme, mais nous-mêmes nous disponibles, parce que nous gagnons plusieurs travails que nous faisons déjà, et qui disponibles à tant de gouvernements qui disponibles, qui veulent travailler ensemble avec. Bah, moi, de ça, non. Et mais, dans la série qui prend dans l'hôtel El Rancho, ou pas là, dans le même moment, ou pas là, ou pas faire la voix, non, même dans l'espace, ça même. parce que me dit qui à la fin métier comment a fait 2-3 jours là pour les BPM n'a passé pour le petit Benin pour le carré pour le carré pour le carré Léo et me connu pas gagne moyen pour faire ça ou même mon cher et voisin bagage propre c'est professeur l'école mieux bagapé en chambre d'hôtel qui à $170 US donc nous même nous refouler sous nous même. Et, mais c'est agréablement que tu es pris et qu'elle a joué, c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes, nous avons continué à faire promotion, faire plaidoyer pour première mission, rester dans la résidence officielle que l'État a construite. Exact, exact. À partir du moment où on va louer hôtel, nous va le site suite hôtel, non seulement on a fait l'État dépenser l'argent, mais son possibilité pour nous faire des acteurs politiques moribondes, des acteurs politiques corrompus, jouer un côté puis aller négocier la lutte. Pour mettre les gens en bachal. Exact. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire partie de gens qui recevons l'invitation. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner l'argent pour aller dans le champ, mais nous ne pouvons pas parler de la question ça. Et cependant, nous dit Dr. Gary Kony, halte là, parce que Haïti, c'est la terre de liberté, c'est la terre qui est plus difficile. C'est l'ISCA. C'est-à-dire, mon engagement, tout prend, avec les trois secteurs. C'est un engagement qui prend avec les trois secteurs de la vie nationale pour permettre que, eh bien, les gens participent
secteur te dit la participer yo, la engager, la prendre bacca avec yo, en bacca avec yo. Et ben laisse ça, monsieur pral payer sauce la plus cher par ces poissons hein. Et y a paré, yo pour qu'on a toute fourbi pour monsieur. D'ailleurs monsieur consacre la Haïti à tout. Moi même m'pa vle allonger et puis ton contact avec lui. Mais nous voulons prendre docteur Gary Koni au mot que le secteur de la jeunesse, le secteur des femmes, le secteur de la diaspora l'a embarqué ensemble avec eux parce que trois secteurs ça yo plus ou moins pas fait partie de groupe qui écrasé pays a depuis 38 ans dans pays a là dans société a qui met l'économie à genoux. Il pas fait partie de monde qui te prend l'argent et budget pays a l'argent économie pays a à l'acheter car à l'étranger, à faire business à l'étranger, à serrer famille à l'étranger. Donc, n'a parlé de une société qui a construit avec de nouvelles têtes. Et nouvelles têtes là, c'est des gens qui ont des compétences, qui connaissent l'administration publique là, et qui progressistes, qui nationalistes, qui parlent avec discours de l'État pour dépenser leur bon escient et pour rester dans le pays là, pour construire une classe politique solide qui va permettre que nous préparer une alternative à travers une transition générationnelle. Où est Émile Duque me dit lui, et c'est à partir de cette transition générationnelle, c'est à partir de cette gouvernance intérimaire que n'a pas le gain de jeunes et maires communaux, de jeunes députés qui va permettre que nous faire de bonnes lois et défendre l'intérêt supérieur nation hein, et qui va permettre que nous relancer société ça pour au moins 25 à 30 ans qu'a venir là. Nous pas regret que nous devons faire une transition en pays. Mam, ça c'est fini. Bon côté, pas, par contre, c'est des secondes dernières questions pour le